être envahi par la beauté, être émerveillé par la beauté tout autour de soi, le papillon, l'arbre, le ciel bleu au loin, les montagnes majestueuses, toute cette beauté, toute cette émergence de beauté. Et en fait, un moment de félicité où rien n'est plus important que ça. Rien, rien d'autre sur la planète à ce moment-là n'est plus important que ça. Et cette beauté, elle doit habiter nos cœurs pour que nous puissions être en harmonie et en paix avec soi-même. Chercher la beauté, chercher à entrer en contact avec elle, c'est la chose la plus belle que tu puisses faire. Et tu vas t'apercevoir que cette beauté, c'est ce que tu es. En fait, quand tu n'as plus aucune pensée qui te tracasse, aucune pensée qui vient envahir ce silence d'or, alors, à ce moment-là, celui qui se dit être n'est plus là. Il n'y a que la beauté qui existe à ce moment-là. Ce qui se dit être, c'est moi, celui qui pense, celui qui constamment cogite, ne peut pas voir cette beauté, ne peut pas voir que cet émerveillement est sa nourriture, la nourriture de son âme. Et quand tu laisses emporter ton être par cette beauté, et que tu exprimes cette beauté à travers toi, avec fluidité, sans retenir, alors l'expression que tu as, c'est une expression authentique du soi que tu es. Parce que le soi, être vraiment là, présent, c'est ça qu'il s'agit. Il s'agit de cette beauté, d'émaner cette beauté de soi, cet amour, cette joie, cet enthousiasme au moment où il y a l'émerveillement dans la vie. C'est l'émerveillement qui fait que nous sommes des hommes et des femmes accomplis. Sans émerveillement, la vie n'a pas de sens. La vie est une succession d'actions, de réactions qui viennent de nos pensées qui nous dictent comment la vie devrait être, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on ne doit pas faire, qu'est-ce qui devrait se passer ou pas se passer. C'est la tête qui cause. Pour que cesse cette tête de causer, la beauté est présente. Seulement quand la tête cesse de causer. Et pour faire exister cet instant, on a besoin d'être attentif à ce qui est beau, à cette beauté, à soi. Et cette attention, c'est une flamme qui garde l'esprit vivant. L'esprit vivant, parce que l'esprit n'est vivant que si la beauté existe. Autrement, c'est un ensemble de réponses et de questionnements arrangés qui se répètent tout le temps. Voilà l'esprit de l'homme. L'homme est un paquet de mémoires, autrement. Sans cette beauté, il est juste une machine mécanique qui réagit mécaniquement, qui réagit réflexe, compulsion, et qui n'est pas vivant.
le vivant, c'est la beauté qui fait toute la différence. Quand il y a la beauté dans cette machine, alors tout prend un sens. Tout. Laisse la beauté être. Cherche la beauté. Attentif à la beauté. C'est la solution pour ton cœur de rester vivant.